Nous avons idéalisé et concrétisé, à mon sens, un lieu de travail ordinaire pour des gens extraordinaires. Inclusif, bien évidemment, mais avec des gens de tous horizons. Nous voulons d'abord un tremplin qui va leur donner les outils de pouvoir s'épanouir ici, s'ils le souhaitent, mais ailleurs, en occupant des postes similaires, voire évoluer vers d'autres postes. Bonjour, bienvenue à Toulouse. Des légumes, de la cuisse aux légumes. Et ça, c'est un aubergine dans le jardin. Aussi, il y a des tomates, les concombres et les haricots. Regarde, comment ça se fait que moi, quand j'appuie, elle s'agrandit encore. C'est les parents qui les ont sortis des ESAT ou des IME pour essayer de leur donner de l'inclusion et essayer de leur transmettre un métier pour leur avenir et qui leur plaît aussi parce qu'ils aiment ça. Et alors c'est gratifiant, c'est de la générosité et ils vous donnent de l'énergie. En fait, ils te donnent juste de la reconnaissance, de l'amour et du plaisir de faire les choses. C'est ce que j'avais moi perdu en traditionnel et que je retrouve là avec eux en fait. Voilà, à l'écoute, ponctuel, respectueux et toujours soif d'apprendre et de connaissances, malgré leurs difficultés et leur handicap. Tu as fait un cœur, c'est pour qui le cœur ? Depuis l'ouverture de l'endroit, c'était il y a 3 ans. C'est mon petit endroit dans lequel j'adore aller chaque été. Je me suis beaucoup attachée et à l'association, et aux jeunes, et aux parents bénévoles de cet asso. Et j'adore cette ambiance, c'est génial. C'est chouette en fait de les voir travailler et aussi de pouvoir parler avec eux, de voir comment ils œuvrent, comment aussi tous les parents et les encadrants sont là pour les faire grandir dans leur apprentissage. Et puis on voit aussi les progrès chaque année, à vrai dire. C'est depuis que je viens, je vois des progrès chez certains incroyables. Aujourd'hui, je suis vraiment très très fière d'arriver à ce résultat-là. Ils se sentent vraiment chez eux, c'est leur site, c'est vraiment leur espace qu'ils ont complètement investi. C'est vraiment un tremplin ici pour aller par la suite travailler dans des établissements ordinaires du tourisme.